Bonjour à tous, c'est MiniRaptor SS33 et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui les gars, non je vais pas vous présenter mon chat qui regarde même pas la caméra tellement il est con. Je vais vous présenter tout simplement le nouveau vélo que j'ai, voilà. Alors Chiquita. Ok bon, SK c'est pas grave. Alors je vais vous montrer le nouveau vélo que j'ai. Oh tu me regardes quand je te parle toi hein. Voilà, déjà que t'as déjà interrompu des vidéos, bref. Donc je vais vous montrer le tout nouveau vélo que j'ai eu et vous allez m'en dire des nouvelles. Alors voilà le nouveau vélo, attendez, non en fait, ah mais merde, non mais je me suis trompé. Mais non, bien sûr que oui, c'est celui-là les gars, voilà. Alors, donc, c'est un Nakamura, voilà, un 705, voilà. Donc si vous voyez un fil, c'est ma batterie externe parce que la tablette n'est pas de batterie. Donc vous pouvez voir... ici qu'il y a des freins hydrauliques, hein, voilà, donc des freins à disque, des gros pneus quand même, des gros pneus 27 ou 27,5 pouces, je sais pas quoi. Je l'ai. Merde, attendez, j'ai débranché ma batterie externe. Ah, qu'en plus j'ai gagné à la fête foraine au tir à la carabine. Ah mais putain, et voilà, c'est beau. Donc on a également ici donc le petit compteur, hein, voilà, donc ça, on nous l'a rajouté. Et là, le compteur de vitesse, voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a 8 vitesses et 3 plateaux, voilà. Bah écoutez, on n'a pas encore fait le tour, hein, on a bah, donc les vitesses, hein, voilà. On a ici un dérailleur. Merde, bon, j'ai... ici, voilà. Donc on a quelque chose pour bloquer tout simplement les suspensions, voilà. Donc ensuite, des suspensions, j'en ai pas beaucoup, mais bon, ça, ce n'est pas très grave. Ensuite, on a un grand guidon pour un maximum de fun, hein, voilà. Donc des freins qui fonctionnent quand même super bien. On a également donc la selle qui peut être ajustée comme vous le voulez. Donc moi, ben, moi je me suis mis un espèce de cadenas qui, dont le vélo porte. Et un espèce de petit truc là, donc une pompe. Alors si vous voulez un vélo comme ça, donc un Nakamura 705, vous le trouverez surtout dans les Intersport et tous les magasins comme ça, mais c'est surtout dans Intersport qu'on en trouve. Ensuite, bon, voilà, donc la couleur j'ai choisi, hein, parce que j'ai trouvé ça meilleur. Sinon il y avait des gris, il y avait un rouge, tout ça, et j'ai pas trop aimé, donc j'ai pris celui-là. Puis le rouge, il avait couleur mat, celui-là, il a couleur brillant, c'est joli. Bah écoutez les gars, je pense qu'on a fait le tour, hein. Donc voilà, donc c'est un M, hein. Voilà, donc si vous faites 2 mètres, vous n'allez pas prendre un M, sinon ça va être un petit peu ridicule. Et donc attendez, je vais vous montrer un petit peu le compteur de vitesse, s'il veut bien s'allumer. Alors attendez une seconde. Ok les gars, alors c'est bon, j'ai réussi à allumer le compteur, donc parce que c'est... si vous voulez, c'est quand on roule qui s'allume. Donc là, bon, il est 10h59 du matin, donc ça, on s'en fout. Donc, attendez, je trouve même pas le bouton. Ah, voilà. Là. Donc là, tous les kilomètres, donc c'est un kilomètre. Il peut aller jusqu'à 20 000 km aussi, si il est en bon état, etc. Que vous... Ah, ben voilà, c'est intéressant, enfin, cette trisomique, là. Enfin, bref... Donc il peut aller jusqu'à 20 000 km, voilà, si vous le conservez bien, 32 km/h à vitesse de pointe, ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est le total où j'ai fait d'heures de vélo. Puis là, voilà, mes kilomètres. Et bah écoutez les gars, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc, bah en vrai non, on va pas le tester parce qu'avec la tablette et tout, c'est chiant de porter. En plus, il est dur à manœuvrer... avec la vitesse vide, voilà. En tout cas, les gars, un super vélo que je crois que j'ai payé 300, 400 euros, un truc comme ça. Enfin, j'ai payé 400 euros. Alors, vraiment, les gars, ça vaut le coup. Moi, je vous conseille de l'acheter pour un nouveau vélo, pour Noël, votre anniversaire, enfin, voilà, quoi que ce soit. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous avez des doutes sur ce vélo ou des questions. J'y répondrai à tous. Ciao tout le monde!